Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je reprends une nouvelle partie. Et vous n'avez pas vu la deuxième nouvelle partie que j'ai repris hier suite à mon premier échec. Et j'ai pas fait mieux. Donc, après une petite pause d'une journée, je repars sur une nouvelle carte, un nouveau monde et toujours le même objectif, vous faire découvrir directement dans le jeu les dernières nouveautés des dernières snapshots. Alors j'ai 5 snapshots de retard, donc je m'étais arrêté à la dernière release au mois d'août. Je dis 5, mais oui, si, c'est ça, la 24W33, 34, 35, 36 et 37. Là je joue sur la 37, donc c'est cette version qui est là. Je n'ai toujours pas réussi à mettre les shaders. C'est pas bien grave, on trouvera une solution. Si vous en avez une d'ailleurs, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. Et j'essaierai de voir, mais j'ai pas vraiment envie de me prendre la tête avec ça. Donc si j'en ai pas, bah tant pis, j'en ai pas. Ça sera comme ça. Oh, sympa ça. Alors, j'ai rapidement parcouru quelques articles qui présentent les nouveautés de ces 5 dernières snapshots, et il semblerait qu'il y ait des nouveautés du côté des wagonnets, des wagons et de la redstone. Donc les wagons j'utilise très peu, la redstone aussi, quoique si vous vous souvenez de certains de mes épisodes, j'avais commencé à faire des machines avec certains automatismes. Donc pourquoi pas regarder ça. J'ai vu aussi que la dernière snapshot apporter des éléments concernant les perles de l'Ender. Alors ça par contre, j'en suis encore loin, très très loin même, mais bon, voilà, faut se donner des objectifs, donc pourquoi pas. Alors en attendant, s'il faut que j'arrive à faire des modifications, enfin non, découvrir les nouvelles, les nouveaux éléments qui concernent la redstone et qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, et les wagonnets, eh bien il va falloir se trouver un petit village, le faire évoluer un petit peu, et dans ce nouveau monde où je viens d'arriver, je pense que je vais pouvoir me lancer par là-bas, même si ce genre de village dans les déserts, ce ne sont pas les plus faciles à développer rapidement. Donc on va voir. Il y a toujours moyen d'avoir du cartographe. Raté. Et s'il y a du cartographe, il y a éventuellement une carte avec des trial chambers. Et peut-être des cartes au trésor. Donc, à voir. Ah, là-bas, c'est sympa aussi. Et par là, par contre, cette mangrove là, c'est potentiellement pas aussi intéressant. Voilà, donc le un village, deux villages, on va les faire se relier potentiellement. Ensuite on partira par là en passant par ici. En attendant, on va commencer par aller visiter ce petit coin sympa. Peut-être que je me fabrique quelques outils quand même, non? Ah, peut-être commencer par ça. Dans ces cas-là, comment on fait? Allez, on va au village. Mes deux dernières parties, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par trouver des villages et je les ai trouvés un petit peu trop rapidement. Et j'ai rien développé. Et finalement, je me suis fait buter par, alors la dernière fois, par un creeper, mais bon, je voulais pas enregistrer, mais c'était monstrueux dans le sens où j'ai attendu la nuit bêtement en faisant le tour du village. Il y a eu une invasion de zombies, ils étaient tellement nombreux que je me suis enfui vers un portail abandonné dans lequel j'ai trouvé du super stuff. Mais le temps de chercher le super stuff, il y a un creeper qui est passé derrière et qui a explosé.
Et donc je suis mort, bêtement, tout simplement. Alors, ici, un lit, ok. Et un que dalle, ok. Ah si, on grimpe là. J'ai entendu un chat. On grimpe là, mais bon, voilà, c'est tout. Potentiellement pas trop d'intérêt. Ici, c'est un deuxième lit et à manger. Très bien. On va dégager ça. Le voilà, le chat qui raconte des trucs. Bonjour, et bien entendu, comme d'habitude, on va pouvoir faire des échanges. Ici, ça va, c'est pas trop moche. Ok. Ça nous emmène où ça? Ah oui, d'accord, on est sur la. Donc normalement, en haut, il y a un coffre. Encore une fois, il y a la même chose que dans le premier coffre tout à l'heure. On l'enlève d'ici et on arrive tout en haut. Oui, ça bouge pas. Allez, je vous passe la découverte du village. Et je sais que je vais pouvoir m'installer dans différents lits. Il y en a plusieurs, donc on est bon. Ah bah voilà, tu es en train de me dire que sans arbre je ne pouvais pas faire grand-chose. Et je me disais, il n'y a pas d'arbre dans le secteur. Mais si, il y en a un. C'est parti.
Voilà, avec ça on est équipé. Et avec ça encore plus. T'es en train de me dire que ça peut être intéressant aussi. Et que ça, je n'en ai pas besoin tout de suite. Voilà. Le cuivre, on va le laisser pour l'instant. On va partir à la recherche de fer, ce qui nous sera beaucoup plus utile. Hop. Non. Alors. Je suis pas équipé pour aller me battre contre lui là-bas, mais je viens de voir qu'il y avait du fer juste au-dessus. Donc on va procéder comme ça. C'est par là. Voilà. Il vient de despawner et de respawner, non? Hein, on est bien d'accord, c'est pas le même. Il a pas l'arc enchanté. Alors, l'arc, c'est quoi? La protection, c'est le bouclier. Bouclier qui veut dire. Non, mais il fait déjà nuit. Oh là là. Au secours! Il y a de la lumière donc potentiellement je devrais pas me faire exploser la tronche aussi facilement que d'habitude. Toi t'es installé ici. Toi t'es là. Eh bah si, il y a du zombie, mais haha. Il n'y a que toi? Non. Voilà, je suis nul. Toujours aussi nul. Non, c'est pas là. Donc, hop, on illumine les zones. Bon, ben c'est pas là ma chambre. Elle est où ma chambre? Ah, elle est tout là-bas. Ok. Ah oui, mais le creeper. J'aime pas les creepers. Mais lui, il aime pas les chats. D'où l'intérêt d'aller pêcher du poisson. Pour devenir ami avec les chats, n'est-ce pas?
On va y penser. Hop, hop. Et voilà. Un petit coin pour dormir. Donc j'ai dit plusieurs choses. Qu'est-ce que je vais faire en premier ? Construire un four. Pour y cramer ceci. Ah ouais, non mais j'ai carrément zappé ça par contre. L'arbre, je l'ai pas replanté parce que j'ai pas pris. Ouais, non, c'est très mauvaise idée. Eh oui, même me battre avec des poissons, je ne sais pas le faire. Si. Je vais mourir. Ouais, non, j'ai baffé les poissons, mais je les ai pas récupérés. Allez. Poissons et 4-5. Bon, avec 5 poissons, je devrais me faire un copain chat quand même. Hop. Et c'est là qu'il n'y a plus un seul chat dans le secteur. Si. Et voilà. Super copain. Donc ici, première chose à faire, voilà. Je devrais, oui, ou j'aurais dû conserver, mais non. Là, donc, je ne sais plus, je ne sais plus. Si, je sais, voilà. Et les chats ont toujours cette bonne habitude d'aller se coller là où on veut pas. Bon, ça je vais pas le faire cramer tout de suite. Donc potentiellement maintenant j'ai un chat. Et là-bas c'est quoi? C'est des lapins noirs, d'accord. Bon. Allez, on poursuit notre déambulation. Ah, sympa ça. Merci. Et là aussi. Ok, oh bah, génial. Même plus besoin de se battre contre les squelettes. Alors, par ici. Creeper en bas. Ouais. Et là-bas, il y a du fer. C'est bon. Par contre, il y a deux creepers ou c'est le même creeper que je viens de voir ? On dirait qu'il n'y en a qu'un. Donc si un creeper, on l'attire et on le fait fuir. Voilà. Et il se détruit. Très bien. Oh, je suis déjà à ce niveau-là. Non, quand même pas.
Si, ça, c'est des roches qui sont un peu plus dures à miner. De la redstone déjà. Bon, bah, c'est super. Alors, pour l'instant. Oui, c'est ça. Pour l'instant, on va miner du fer. Oh, sympa. De la lapis-lazuli. Je pourrais faire un peu. Voilà, juste pour récupérer ça. Parce que le jour où on en a besoin, eh ben on n'en a pas. Donc là, j'en aurai. Pour l'instant, on va laisser tout ça ici et juste garder ça. Deux os, on va pas aller très loin. À chaque fois, je vais pas au même endroit, c'est quoi ce délire? Si, c'est là. Allez, go, ça crame. Par contre, ça va pas cramer suffisamment, j'en aurais pas assez. Donc ça, c'est tout bon. Grande question, qu'est-ce que j'attaque en premier? Pas avoir de quoi cramer, on va cramer ça. Voilà. Je vais faire une petite pause dans l'enregistrement parce que sinon ça va me faire un rush trop long. Bon, je n'ai pas pu résister à l'envie de poursuivre l'aventure qui pour l'instant commence bien. Et je me suis donc redirigé vers... Alors, j'allais dire le musée, mais non, c'est pas un musée. La pyramide, oui, vers la pyramide. Et je suis descendu au fond du trou. Et vous n'êtes pas prêt à voir ce que j'en ai ramené.
Alors, je fasse gaffe, il fait jour, il fait nuit. Non, il fait jour, c'est cool. Alors, ma descente. Hop, je me protège. Là, c'est bon, il n'y a rien autour de moi. La descente aura été très très intéressante car j'ai ramené ceci. Deux lions enchantés. Oh, impulsion, c'est pas extraordinaire. Trois diamants. Une armure. Des lingots de fer. Bref. Bon équipement. De la ficelle. Je vais pouvoir me faire un arc tout de suite. Ouais, ça franchement super intéressant. Et je pensais à ça, il va falloir que j'aille chercher du bois très rapidement. Là, il n'y en a pas là-dedans, hein, du bois. Non. Il y en a là-haut. Par ici, j'en ai pas. Non, il faut vraiment que j'aille chercher du bois pour pouvoir construire un certain nombre de choses, en l'occurrence un bateau. Ouais, allez. Je ramène ces trouvailles. Grande question, qu'est-ce que je fais de mon diamant? Est-ce que je le garde dans un coin pour faire une table d'enchantement? Bah non, est-ce qu'il faut pas plutôt que je fasse tout de suite une pioche en diamant? Ah, j'ai besoin de votre aide là. Donc, si vous avez des bonnes idées sur ce qu'il faut faire dans un premier temps avec du diamant, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et j'aviserai ensuite. Oh, qu'est-ce que tu fais toi? Voilà, donc là dans mon idée, je vais, ça je vais le garder, mais je vais boucher quand même des zones de d'eau pour pouvoir faire des passages plus rapides, plus simples. Ça, je vais pas m'en préoccuper pour l'instant. Et donc je me disais je voulais faire un fléchier. Voilà, je voulais boucher ce truc-là parce que j'aimerais bien que lui il sorte, enfin qu'il. Voilà, qu'il soit pas coincé là-dedans. Ben, c'est exactement ce qui lui est arrivé. Alors, faut le faire sortir. Sinon, il va pas pouvoir aller aider. Ah ouais, en plus là. Potentiellement, c'est pas cool. Allez, sors de là. Je vais mettre ça ici. Allez, sors. Hop, sors par ici et t'es très bien. Voilà. Non, non, par là, par là. Espèce de débile. Toujours peur avec les golems de leur foutre un coup sans le faire exprès, puis alors après, on se retrouve avec un golem vénère. Et un golem vénère, ça vous latte la tronche en moins de deux. Ouais, puis là, j'ai bien fait n'importe quoi. Alors, je retourne à mon spot où je range mes affaires, c'est par là. C'est pas du tout par là. Tiens, c'est un autre. Voilà, c'est par là. Donc, non, ça je vais en garder un peu. Ça c'est pour les tatous. Ah, j'ai pas fait gaffe, une pomme dorée. Ouais, bon, ok. Aujourd'hui, j'en ai pas besoin. Ça non plus, ça non plus. La TNT, je vais la garder. Ça, plaque de pression. Pas spécialement utile dans le moment présent. Ça va être bien pour le fléchier. J'en ai 5, oui. Allez. TNT, non, je vais pas la prendre pour l'instant. Ça, je garde. Allez, hop là.
Alors, est-ce qu'ils sont tous sortis? Barrez-vous, barrez-vous. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, mais je veux que vous arrêtiez de passer par là. Hop là. Voilà. On joue plus là-dedans. Allez, c'est bon, on sort de là. Voilà. C'était bien, c'était un joli petit trou, mais maintenant, on n'en a plus besoin. Tac, voilà. Et ici, on pourrait faire une jolie petite place, oui, pour mettre ça. Allez, d'ailleurs, on va le faire tout de suite. Hop. Et on la met comme ça. Très bien, ça. Voilà. Tac, c'est fermé. Nom du Dieu. Bon, donc voilà. Donc je vous donne les grandes lignes. Je vais aller chercher du bois. Je vais aller chercher du bois. Construire un bateau. Faut que j'arrête d'aller là en pensant qu'il y a des trucs. Il n'y a rien. Et je veux pas qu'il y ait des choses qui spawnent pour rien. On va se faire un coffre pour mettre tout ça. Et je vais quand même reconstruire. Bah oui, bien sûr, suis-je bête? Hop! J'en ai que 5, mais c'est pas mal. Non, ça je garde. Qu'est-ce que je fais? Une hache. Une pioche. Alors là, ça par contre, les où? La pelle. Ça pour l'instant, j'en ai pas besoin. Le seau, oui, le seau. Vachement utile ça, le seau. Qu'est-ce que je suis naze. Bien le seau, ça. Gaffe, ouais, je fasse gaffe, non, pas besoin de faire gaffe, mais voilà, c'est pas mal du tout ça. Donc ici, ça dort. Ici aussi. Là, ça dort encore, mais normalement, ça devrait plus. Et donc, moi, mon. Moi, je suis installé par là-bas. Ok. Bon, celui-là, j'ai même plus. Oui, je peux me mettre là. Hop. Voilà. Bon, bah, je vous quitte là. Peut-être produire un premier épisode là, mais je suis assez content, ouais, donc de toutes ces découvertes, de ce nouveau village et donc de ce projet d'aller chercher du bois le plus vite possible pour pouvoir poursuivre l'aventure. À très bientôt. Salut.